RTL 11h12, Paris, l'évasion de Jacques Mérine. Le gangster s'est enfui de la prison de la Santé avec deux autres détenus. L'un d'eux a été tué par un gardien. Les trois gangsters ont réussi à franchir le mur d'enceinte grâce à une échelle de corde. C'est là qu'est survenue une nouvelle fusillade avec des gardiens de la paix à l'extérieur de la prison. C'est là que Rive est mort, donc. Et Bess et Mérine ont réussi à s'enfuir dans une voiture blanche qu'ils avaient arraisonnée dans la rue, menaçant le conducteur de leurs armes. La prison de la Santé avait la réputation d'être de celles dont on ne s'évade pas. Mesrine avait de nouveau réussi l'impossible. Les médias s'emparent de l'événement. De la presse au gouvernement, Mesrine fait la une. Autre question que l'on doit se poser, est-il normal que le dossier concernant l'épisode canadien de la vie de Mesrine se soit retrouvé dans la cellule de Bess? Est-il normal que Bess ait disposé dans sa cellule d'une bombe lacrymogène? Et surtout, est-il normal que 5 revolvers et une fusée de détresse et d'autres objets encore aient pu être dissimulés dans une cachette du parloir des avocats, sans qu'aucune fouille ait pu les déceler? Voilà donc des anomalies que l'enquête a d'ores et déjà fait apparaître. Elle en fera probablement apparaître d'autres et toutes les conséquences en seront tirées. Mais parfaitement, mesdames et messieurs, car un incident comme celui-là sert toujours de révélateur, fait apparaître au grand jour des choses que la routine avait fait disparaître, et soyez assurés que le gouvernement tirera toutes les conséquences de ce qui sera apparu à travers cette enquête. François Bess et Jacques Mesrine trouvent une petite planque dans le 18e arrondissement de Paris, vers la porte de Saint-Ouen. Vient se joindre à eux un petit malfrat paumé et drogué, Jean-Luc Coupé. Littéralement fasciné par le personnage Mesrine, il leur servira de chauffeur et d'homme à tout faire. Le 27 mai 1978, ils reprennent du service. Jacques Mérine attaque le casino de Deauville, c'est le premier titre de l'actualité ce matin. C'est un rocambolesque hold-up qui a réussi l'ennemi public numéro 1 hier en Normandie, une région qu'il connaît bien d'ailleurs. Avec son complice François Bess, il s'est d'abord présenté au commissariat de la ville. Au commissariat, il a réclamé un inspecteur qui n'était pas là, et pour cause, puisqu'il est à la retraite, et devant les explications embarrassées des gardiens de la paix de permanence, il est ressorti aussi tranquillement qu'il était entré. Cette première visite, que l'on pourrait qualifier de routine, était destinée à évaluer le nombre de policiers susceptibles d'intervenir ce soir-là. Rassurés, les deux gangsters se rendent droit au casino et s'emparent de la recette, 70 000 francs environ. L'alerte est donnée, des coups de feu éclatent. Deux passants sont touchés, ainsi que les malfaiteurs, qui réussissent tout de même à s'enfuir. La police met tout en œuvre pour les retrouver. Pas moins de 300 gendarmes, dont les tireurs d'élite du GIGN, sont mobilisés dans la région. Bonsoir, jour de la fête des mères. Je suis descendu à Bernay. Je suis rentré une demi-heure après. Et une demi-heure après, j'étais en pleine forme. Je sifflais comme un perdu. Et quand j'ai ouvert la porte de la cuisine chez moi, c'est là que j'ai vu Bess et puis Mesrine de chaque côté de la cuisine avec un revolver. Alors ça m'a un petit peu surpris quand même. Ma première parole, ça a été « qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Ma femme m'a répondu tout de suite « t'affoles pas, Daniel, on va t'expliquer, parce que comme on sait que je suis assez coléreux et puis impulsif quand même, mais enfin là, ça m'a refroidi. Hein. » Alors ma femme m'a dit « on va t'expliquer », puis lui, à ce moment-là, il a pris la parole, Mesrine. Mesrine a pris la parole et Il s'est présenté, il m'a dit, je m'appelle Jacques Mesrine, vous avez peut-être entendu parler de moi, j'ai dit d'accord, j'ai dit j'y suis, il me dit c'est moi-même. Alors là, moi je lui ai dit, de toute façon, il faut que j'aille à Paris, alors il a dit à ce moment-là, il faut nous emmener. Et là, je n'ai pas refusé. Mmh. Alors je lui ai expliqué les routes qu'il fallait, que je pouvais prendre. Puis là, il m'a dit, mais s'il y a un barrage, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, je vais essayer de tourner à droite ou à gauche. Et il m'a dit, si vous tombez en plein barrage, j'ai dit, ça va être une autre affaire. Hein. C'est ce que j'ai répondu, j'ai dit, là, ça va pas être pareil. Et il m'a dit, c'est là qu'il m'a dit, il faut pas arrêter, autrement ça va faire de la fumée. Alors c'était, disons, aux ordres, je ne pouvais plus faire autrement. Comment ils se sont mis? Dans la balle, ils étaient à plat ventre. Alors, si les portières s'ouvraient ou la balle n'était pas tirée, quoi. L'ambiance était très, très froide, hein. C'était, disons, qu'on essayait de rassurer les enfants au maximum. Nous. Au bout d'un moment, ça s'est décontracté. Pas beaucoup, parce que on n'est pas habitué quand même à ce régime-là, quoi, à avoir des revolvers sous son nez tout le temps, ça fait drôle quand même. Hein. Et alors après? Je les ai débarqués à Bonnières, là. Vers quelle heure?
11h. Vers 11h, quoi. La bonne heure, hein. Et là, quand j'ai ouvert la malle pour qu'il sorte, il venait une voiture. Alors j'ai battu la malle, mais j'ai donné un coup de malle sur la tête, même d'ailleurs. Et j'ai eu peur qu'il tire, là. Puis il n'a pas tiré, il n'a pas bougé. Et après, ils sont sortis de la voiture. Puis ma femme, quand ils nous ont quittés, bon, bah, il m'a donné une grande claque dans le dos. Ça m'a fait peur sur le coup, quoi. Et c'était pour me remercier, quoi. Et il m'a dit que j'étais un gars qui n'avait pas peur, que j'ai gardé mon sang-froid, que j'avais la moelle. Ensuite, Mesrine s'attaque à la Société Générale du Raincy. En effet, cette banque détenait une part importante des droits d'auteur de son livre. Fier de ses méfaits et en proie à une mégalomanie croissante, il n'hésite pas à agrémenter son hold-up d'une lettre au directeur, lui demandant de considérer la somme dérobée comme un prêt involontaire et temporaire. J'ai coûté 35 millions, il faut bien subsister, vous en doutez. Et j'ai continué en fin de compte ma vie de banditisme. C'est alors que Paris Match met à la disposition de la journaliste Isabelle de Vangen une grosse somme d'argent. Pour Paris Match, le plus gros scoop de l'année. L'interview exclusive du gangster en cavale. Résultat, la journaliste essuiera les foudres des services de police, littéralement excédée. Isabelle de Vangen n'a fait que son métier d'informateur. Formateur dans le bon sens du terme, dans le journalistique. Parce qu'en fin de compte, c'est une journaliste qui a pris le risque de son métier. Et c'est l'État qui, justement, qui ne respectant pas le secret professionnel des journalistes, qui est responsable des ennuis d'Isabelle de Vangen. Je suis parti par l'Italie et j'ai profité d'un accident à une frontière. Un camion s'est renversé entre deux frontières, la frontière italienne et la frontière française, et je suis passé tout à fait légalement. De l'Italie, je suis parti en Algérie où je désirais prendre contact avec des mouvements révolutionnaires. De là, je suis parti en Sicile, où j'ai contacté certains amis. De Sicile, je suis retourné en Algérie. D'Algérie, je suis parti à Londres, où j'ai vécu en toute tranquillité avec Sylvia Jean-Jacques, que certains journalistes appellent la belle italienne. Malgré les quelques mois de répit qu'il s'accorde ainsi qu'à la police française, Mesrine revient à Paris plus que jamais déterminé à reprendre sa lutte contre le système carcéral. Ni pour moi, ni pour les autres. Donc, à ce moment-là, en faisant une action contre Paris, je voulais aiguiller et instruire des gens sur le problème des quartiers de haute sécurité. Le juge Petit avait présidé le procès de Jacques Mesrine en 1977. Hasard ou destin, le voisin de palier du président Petit n'est autre que Roger Borniche, le célèbre commissaire. Les deux gangsters se présentent donc au domicile du juge Petit, alors que celui-ci est absent. Ils ont attendu donc le retour du président. Et lorsque la sonnette a tinté dans l'appartement, la fille du président Petit a ouvert la porte à son mari. Mais ce que Mesrine n'a pas vu, c'est la présence de son frère qui se trouvait de l'autre côté du battant. Et le frère, au lieu de monter me prévenir, est parti un peu affolé, téléphoné d'abord dans un café, non pas au commissariat de police, mais au directeur de la gendarmerie, qui était M. Cochard de l'époque, qui est un ami de la famille. Et M. Cochard a prévenu Police Secours. Et c'est ainsi que Police Secours est arrivé, toute voile et surtout toute trompe dehors, a voulu entrer, pénétrer dans l'immeuble sans prendre les précautions d'usage, c'est-à-dire de cerner le quartier. Et voilà comment Mesrine a pu fuir. Quand nous sommes arrivés dans le hall de chez Petit, je suis tombé sur une dizaine de policiers. Et je vous affirme qu'à l'époque, si j'avais voulu, je pouvais les flinguer, en tirer 5 ou 6 sans aucun problème. Je ne l'ai pas fait, j'ai tiré 2 balles par terre pour les faire fuir. Car les policiers sont comme tout le monde, si on leur tire dessus, ils sautent, ce qui est tout à fait normal. J'avais vu qu'un policier s'était caché dans la cave. Donc je m'étais mis en position de tireur d'assain, et à l'instant où le policier a voulu me tirer, j'ai tiré une balle qui lui a fait peur, et il m'a dit « je me rends ». J'ai pris son arme réglementaire, je l'ai jeté derrière un mur, parce qu'il m'a demandé de ne pas l'emmener car il a grand ennui, et j'ai aucune raison d'être violent, et je lui ai mis les menottes que j'avais destinées au président Petit, et nous avons fui par l'arrière avec Jean-Luc Coupé. On est passé à côté des policiers. À cet instant-là, ils nous ont interpellés. Coupé, lui, s'est arrêté, moi j'ai continué.
couper ces deux pommes. Toutes mes plantes, il est certain, toutes mes plantes ont été trouvées parce que couper les pommes, je connaissais et ma balance. Mesrine sera rarement trahi par ses proches. Malgré un passif assez lourd, sa bonhomie, son sens inné des relations lui assurent l'image d'un héros populaire à l'ancienne, un bandit au grand cœur. Une de ses voisines témoigne. Quand il était parti d'ici, l'inspecteur de police était venu, il m'a dit, si quelquefois vous savez où c'est, non, j'ai dit ça, je dénoncerai. Il m'a dit comme ça, en douce, non, j'ai dit non. Comptez pas sur moi, je dénoncerai. Vous avez dit ça à la police? Ah oui. Il m'a dit ça. Il y avait beaucoup de gens dans le quartier qui pensaient ça? Oui. Personne ne l'aurait dénoncé. Vous pensez? Ah oui. Les médias, elles non plus, ne restent pas insensibles à l'impact de ce gangster à la fois théâtral et provocant. La presse ne manque pas une occasion de lui offrir ses pages. On lui reprochera beaucoup de se faire mousser. Mais tout en s'en servant habilement, Jacques Mesrine n'accordait pas une énorme confiance à la presse. C'est à Gilles Millet, du journal Libération, qu'il acceptera de s'expliquer en toute confiance. Si je me sers des médias, c'est que les médias se servent aussi de leur possibilité d'être contre moi, contre l'action que je veux mener. Comprenez? En fin de compte, le droit de réponse, il existe, et bien je m'en sers. C'est trop facile. On a écrit un tas de saloperies sur moi. Des choses fausses, et puis je peux le prouver quand on le veut. Si je me sers des médias, en fin de compte, les médias s'en servent de moi. Et parce que je peux vous dire une chose, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas moi, quand il y a des premiers types qui touchent le pognon, qui sont rapportés par ces médias. Le meilleur moyen, c'est que les médias parlent plus de moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais... Tous les interviews que j'ai fait, c'est les interviews que j'ai le moins retravaillé. Parce que tout de suite, il faisait la synthèse dans différentes idées, il organisait sa pensée, et finalement, j'ai eu très peu de travail, et j'ai passé presque tout. J'ai très peu réduit l'interview, j'ai passé presque tout. Ce qui est étonnant dans le personnage, c'est que c'est un type, d'abord, qui était dans la vie tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il était dans un café, il était dans la rue, il était avec des gens, il rentrait dans un magasin, et là, il s'exprimait tout à fait normalement, il était à l'aise, etc. Et en même temps, tout en étant à l'aise, il avait l'œil sur tout. C'est-à-dire qu'il voyait tout, il repérait un type qui pensait qu'il le suivait, il repérait une personne qu'il trouvait bizarre, etc. C'est-à-dire à la fois un mélange de bonhomie et puis de choses très méfiantes. Quand, au passage Saint-François, les flics sont venus, ce jour-là, j'étais là. Et je vais même vous donner la description du commissaire Broussard. J'ai aperçu Broussard qui était avec un caban belge, qui portait des gants et qui portait un tekiwalki, dont l'antenne dépassait dans sa poche gauche. Et Broussard se trouvait au petit bistrot qui se trouve à côté de l'impasse Saint-François. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, lui, un côté vieil anard français, type Bonneau, et puis il y avait un côté Brigade Rouge, il y avait un côté un peu tout fou comme ça. Et tout ça était très, très mélangé dans sa tête. Et en même temps, il ne faut pas non plus nier ça, Mérine, il a réussi à monter le problème des quartiers d'haute sécurité dans les grands médias. Parce qu'avant les quartiers d'haute sécurité, on n'en parlait que dans très peu de journaux. Et avec Mérine, les quartiers de sécurité, ils sont passés à la une de François, ils sont passés à la une du journal télévisé. J'ai revu après, j'ai revu beaucoup plus tard, d'un certain nombre de rendez-vous qu'on avait pris pour faire une séance de photos avec Alain Bizot. Et là aussi, il nous a étonnés parce qu'il a pensé tout de suite à des tas de choses, il prenait des poses, comme une vedette de cinéma qui sait exactement comment il faut se mettre, etc. Évidemment, j'avais dans la tête plutôt les clichés de la presse, je veux dire, un athlète, l'air féroce, méchant, meurtrier, etc. Et je me trouve face à un personnage spécialement grand, d'où émanait une espèce de gentillesse. Vraiment, tout de suite, il y a eu une sorte de contact, très souriant, très gentil. Mon problème, c'était ça, c'est que j'étais face à un cliché qui était vraiment pas ça. Donc je me suis trouvé vraiment déboussolé. C'est quoi, en ce moment, une journée de mairie, monsieur Van? Je vis normalement. Comprenez, moi, je peux vivre sans boîte de nuit, sans bise. La bise des voyous, vous savez, c'est ce truc complètement bidon. Institué dans le milieu, t'es mon ami, je te fais la bise, et je te prends ta femme et je te prends ton fric quand t'es en prison. Mais ça, c'est du cinéma. Hein. La nouvelle génération du banditisme ne fait pas partie du milieu. Car tout le monde sait très bien que le milieu est pourri, qu'on se sert du milieu pour créer des polices parallèles, et que le milieu, c'est les proxénètes et les patrons de boîtes. Tous ces gens que j'emmerde, une bonne fois pour toutes, qu'on le comprenne. Je passe mon temps actuellement devant la télévision, à dormir, à faire l'amour et à bien bouffer.
et à faire pas mal de projets. C'est bien Jacques Mérine qui a enlevé Henri Lelièvre. Le 21 juin 1979, Mesrine, exhibant une carte de police, parvient à kidnapper le milliardaire Henri Lelièvre. Cinq jours plus tard, son fils Michel reçoit la demande de rançon. Il prend immédiatement contact avec Lucien Aimé Blanc, chef de l'OCRB, Organisation Centrale de Répression du Banditisme. Soupçonnant fortement la présence de Mesrine derrière cette affaire, celui-ci met en place un extraordinaire dispositif. En effet, pendant plusieurs jours, Michel Lelièvre sera relié et suivi par les hommes de l'OCRB. C'est ainsi que le 27 juin, à 5h30 du matin, muni d'une fausse rançon, relié en permanence par radio à la police, il se rendra dans un café parisien. Là, il suivra à la lettre les instructions et le circuit que lui impose le kidnappeur. À 10h20, la Nationale 2 est quasiment déserte. Seul Michel Lelièvre est suivi d'un véhicule que Mesrine mettra peu de temps à identifier. Il constatera immédiatement le piège. Lorsque Mérine a compris que la police était là, elle aussi, il n'a pu faire autrement qu'impressionner tout le monde pour pouvoir mieux contrôler la suite des événements. Et pour ce faire, il a tiré. En effet, Mesrine contrôle et la situation et son image de marque. L'échec de la police et les risques encourus lors de la fusillade amèneront Henri Lelièvre à demander expressément à son fils d'obéir aux ravisseurs, mais d'agir désormais seul. Quelques jours plus tard, à une quinzaine de kilomètres de Tours, Michel Lelièvre remet entre les mains de Jacques Mesrine 6 millions de francs lourds sans que la police en soit jamais avisée. J'ai acquis peu à peu la conviction que c'était lui. Quelle chose ? Vous a-t-il dit ? Il m'a raconté pas mal de ses 400 coups. Vous avez vu son visage ? On peut savoir ce qu'il vous a dit. J'ai vu son visage ici. Il s'est présenté deux hommes costauds. Un qui faisait 1m80, et je crois que c'était lui, d'après les photos qu'on m'a montrées à la police, je savais vraiment que c'est lui. Hein. Et ensuite, il y en avait un autre, un grand qui faisait presque 2 mètres, c'est un costaud. Hein. Peut-on savoir ce qu'il vous a dit ? Il m'a raconté son évasion de la santé, si vous voulez savoir. Alors ça veut tout dire. Hein. Question qui revient souvent, c'est sous quelle contrainte je suis parti d'ici. Je vous dirais que j'ai eu ce contact avec mes ravisseurs qui m'ont dit qu'ils étaient des policiers. Et qui m'ont montré, j'ai demandé leur carte de service, et ils me l'ont montré. Vous m'en montrez une ? Bien sûr. Sa carte de police, elle lui a servi pour aller au commissariat à Deauville. Et il l'a montré à des vrais policiers. Là. Est-ce que vous étiez attaché quelque part ? Est-ce que vous aviez une liberté ? Je peux dire à ce sujet-là que j'ai été traité avec un certain respect et mis à part le côté moral, hein, mais au point de vue physique. Et nourri convenablement. Légalement, mais enfin convenablement. Est-ce que vous vous trouviez dans une chambre noire ? C'était un véritable cachot, je peux vous le dire. C'était une pièce de 11 mètres carrés environ, qui n'avait aucune aération avec l'extérieur. Et j'ai passé 5 semaines là-dedans. Voyez-moi, c'est long. Les 6 millions de la rançon permettent à Mesrine de quitter la France durant l'été 79. Toutefois, il demeure la vedette incontestée des médias et la principale préoccupation des autorités. Le gouvernement met en place une unité spéciale anti-Mesrine, dirigée par le commissaire Bouvier. Au mois d'août, le journal Minute publie un article assez virulent contre Mesrine. J'avais fait glisser une phrase dans cet article. Phrase disant que Mesrine laissait tomber ses amis, c'est une de mes grosses erreurs. J'avais fait écrire
À l'époque, Messrine n'était pas régulier avec ces gens-là. Cet article est passé. J'ai rencontré un de mes intermédiaires qui m'a dit « Bon, je viens de voir Messrine, il est d'accord pour te rencontrer. Mais il hésite parce qu'il a pris des renseignements sur toi, d'un ancien flic, il se méfie un petit peu. » Lundi 10 septembre, au matin, Jacques Tillier quitte les bureaux de Minute dans la voiture d'un intermédiaire. Ils font un long périple dans Paris, précaution d'usage, et, sans raison apparente, s'arrêtent devant une petite église. Et brusquement là, ça va très très vite. Un type que j'avais pas vu, assez grand, avec une perruque et une barbe, sort. Je sais plus s'il a une barbe, enfin bref, bon, il a une perruque. Moi, s'il a une barbe, parce que je vois que c'est Messrine. Mais pour moi, c'est Mephisto. Il ressemble vraiment à Mephisto. Il a vraiment la tête de Mephisto. Et c'est ce qui me fera le sourire à ce moment-là. Et là, ça va très vite. Il porte une sacoche. Il s'approche de la voiture. Là, je sais plus ce que c'est à l'époque. Et il ouvre une porte. Il regarde l'intermédiaire. Il lui dit « Toi, casse-toi ». Ce qui me frappe le plus, c'est sa tranquillité. Bon, il regarde derrière, il regarde devant, il fait un ou deux parcours de sécurité, mais il n'est pas suivi, c'est certain, et il est tranquille. Et vraiment, ça me donne l'impression d'un type qui, à aucun moment, pense qu'il peut être suivi, c'est pas possible. Il a vraiment, de son côté, il a toutes les garanties. Aimé Blanc, c'est un copain à moi, c'est un ami à moi. Bon, c'est un flic, mais c'est un ami à moi. Et j'ai dit à Aimé Blanc, j'ai dit, tu sais, il est possible que ces jours-ci, je rencontre Messrine, c'est moi qui lui. Mais la chose que je peux te promettre, c'est que avant que l'interview passe, je te le montrerai. Donc toi, tu pourras prévenir tes patrons, tu pourras prévenir avant. Attention, il y a un article qui va passer, qu'il y a rencontré Messrine. Et Aimé Blanc m'a dit, ok, merci, t'es sympa. Et je dis à Messrine, il aimerait bien même discuter avec toi et il t'arrêterait pas. Messrine me dit, t'as le numéro de téléphone d'Aimé Blanc pour lui téléphoner. Je lui dis, ouais, vas-y, je lui donne le numéro de téléphone d'Aimé Blanc. Et on arrive au fameux péage de Senlis. Et là, vraiment, ça m'étonne parce qu'il y a deux CRS à l'entrée et on passe à côté. Enfin, le CRS est à 3 mètres de nous. Et Messrine dit, mais reste calme. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Il me sort une carte de flic. Le CRS est à 2 mètres. Il dit, si on m'arrête, tiens, la voilà. Nous montons en voiture le chemin qui nous mène à la grotte. Je descends, moi, je prends un sac, et dans ce sac, il y a je serai plus tard, il y a la Kalachnikov. C'est moi qui la porte. Je porte le sac avec la Kalachnikov. Bon. Donc, on rentre dans la grotte. C'est une champignonnière, hein. Elle fait bien 200, 300 mètres de long. C'est noir, c'est vraiment affreux, hein. Il faut y rentrer dedans. Et là, Messrine part devant, et il y est derrière. Là, je sens que c'est pas normal, hein. Et Messrine me dit, vas-y, commence. Et je commence, je dis Jacques Tillier, journaliste, j'interview Jacques Messrine. Messrine appuie sur le magnétophone, il dit, non, pépère, ce n'est pas Tillier qui interviewe Messrine, c'est Messrine qui va interviewer Tillier. Et il commence à frapper tout de suite, je crois, je prends deux ou trois coups de poing dans le foie, dans le ventre. Et tout de suite, la première question, qui c'est qui a fait cet article au mois d'août? Moi, immédiatement, je dis, c'est pas moi. Et c'est vrai, c'est pas moi. Je peux dire maintenant, c'est Gilles Lotte qui fait à l'époque l'article. Et l'article n'est pas signé. Alors, elle me dit, si c'est pas toi, qui c'est? Moi, en l'espace d'une seconde, je dis, je vais pas dire que c'est Lotte, sinon il va aller chercher Lotte. Ah, je lui dis, ouais, ok, c'est moi. Et c'est pas moi qui fait cet article. Mais il est vrai que c'est moi qui écrit cette ligne.
Et là, Mesrine me dit, bon, redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Là, la conversation est enregistrée, elle l'était auparavant. Redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est vrai ce que tu m'as dit sur De Vos, c'est vrai ce que tu m'as dit sur Broussard, c'est vrai ce que tu m'as dit sur... Je lui dis, mais moi, je t'ai rien dit sur De Vos, je t'ai rien dit sur... Là, le magnétophone tourne, je le sais, j'ai pas à faire une confession publique. D'ailleurs, je vais pas me confesser. Je lui dis, non, moi, je t'ai rien dit. Donne-moi l'adresse de ton directeur, je te l'ai pas. Donne-moi l'adresse de tout ça, c'est enregistré, hein. Donne-moi l'adresse de ton directeur, donne-moi l'adresse de ton rédacteur en chef. Dis-moi ce que tu faisais à la DST, ce que tu étais flic à la DST. Dis-moi ce que tu faisais. Je dis, mais je faisais rien. Et le plus beau, c'est que j'ai rien fait. Enfin, c'est l'interrogatoire. Il m'étrangle et bon, tout devient noir et je tombe évanoui. Et le premier, ce qui me réveille, c'est le premier coup de feu. Il y a une botte sur la figure, Mesrine au-dessus, et puis j'entends encore plusieurs détonations. Et là, j'ai l'impression que je saute, je ne sais plus ce que je fais. Hein. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de me rêver. Est-ce que Mesrine a voulu te tuer? Honnêtement, s'il n'a pas voulu, je le remercie encore. Mais moi, j'en reste aux constatations du médecin légiste, ce que m'ont dit les toubib et ce que m'a dit le juge d'instruction. J'ai un projectile qui est rentré ici et qui est ressorti là. J'en ai un autre qui est rentré là, qui passe dessous, qui ressort là. J'en ai un autre qui rentre derrière et qu'on a extrait il n'y a pas longtemps ici. Mais j'en ai un autre qui passe là, qui ressort là. Si Mesrine veut pas me tuer, il me tire dans les jambes ou il tire ailleurs. L'évasion, le hold-up de Deauville, la descente chez le président Petit, le rapt de Lelièvre et finalement l'affaire Tillier. D'étape en étape, Mesrine a endossé le costume d'ennemi public numéro un. Ses frasques sont devenues de plus en plus intolérables pour les pouvoirs publics. Le ministre de l'Intérieur ne cesse de taper sur la table. Au sein de la police, des rivalités se créent. Mobilisé depuis 1973, Lucien Aimé Blanc, Serge Devos et le commissaire Broussard sont sur les dents. La nomination du commissaire Bouvier a pour but de calmer ce qui risque de dégénérer en guerre des polices. Cela portera ses fruits. À la fin du mois de septembre, indicateurs et enquêteurs rassemblent leurs efforts. Les interrogatoires de Tillier avaient révélé l'existence d'un ami de Mesrine, Charlie Boer. Rapidement, celui-ci leur permet de localiser le quartier où habite Mesrine. La souricière se met en place. Le 31 octobre, le filet se resserre. Le 1er novembre, 50 policiers, hommes et femmes, déguisés en balayeurs, livreurs, ménagères ou prostituées, encadrent le quartier. Le 2 novembre, à 14h45, Mesrine et Sylvia Jean-Jacot sortent du 37 rue Béliard, rejoignent leur voiture et démarrent. 10 mètres plus loin, c'est la mort. La polémique est immédiatement déclenchée. La police certifie qu'il aurait tenté de lancer une grenade. Sylvia Jean-Jacot et des témoins affirment qu'il n'a pas fait un geste. Je n'aurais jamais cru qu'on lui laisse aussi peu de chance que ce qu'on lui en a laissé. Et je n'aurais jamais pensé que les policiers, qui étaient toujours les mêmes d'ailleurs, et qui étaient tellement attachés à sa capture, se conduisent comme on leur a donné l'ordre de se conduire. N'y avait-il pas un autre moyen que de l'abattre tout de même? Nous ne pouvions pas permettre à Mesrine de jeter une grenade et sur nos fonctionnaires et dans la foule. Ce n'était pas possible, d'autant plus que je crois devoir vous rappeler que dans tout ce qu'il a déclaré, dans les lettres qu'il vous a adressées, il a annoncé qu'il tirerait sur nous. Et je crois savoir, même si je ne suis pas dans le secret des lieux policiers, que cette arrestation normale était possible. S'il était sorti en levant les mains, la situation aurait été tout à fait différente. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui va m'arriver ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule dont on ne sait pas.